Eh bien salut à tous les amis, c'est Tintin, on se retrouve pour une nouvelle Tintin et Bouyam, on se retrouve pour une nouvelle exploration urbex paranormale dans un lieu que vous devez connaître, que vous connaisserez de toute façon, dans un lieu assez inédit, donc là on va s'y rendre tout de suite, voilà. Donc c'est un lieu qu'on a fait avec William, Bouyam, et qu'on a beaucoup apprécié pour notre première, donc on a beaucoup aimé. Donc voilà, William, si tu veux, tu peux ouvrir la porte. On y va. Demande s'il y a quelqu'un déjà. Tu. Allez. Rebonjour. Y'a quelqu'un ? Quelqu'un ? Ok. On s'assure qu'il n'y ait personne. Donc je suis très heureux de me retrouver dans ce nouveau lieu. Voilà. Donc, vous connaisserez les pièces à la partie 1 dont on a fait. Donc il n'y aura pas de partie 2 bien sûr. C'est voilà, c'est comme ça. Donc on va immédiatement. Tant que la partie 2, on la postera pas maintenant. Voilà, donc là, si vous voulez, ce qu'on va faire. Donc je me suis un peu renseigné sur le lieu. Il y aurait un démon. Voilà. Bon, les gars du lycée, on s'en bat les couilles. Ils croient, ils y croient pas. Ceux qui y croient, ils y croient pas. Je viens d'avant les, moi je dis ce que j'ai à dire. On va les inciter. Bonjour, je m'appelle Tintin. Je sais que t'es là. Hein. Je le sais. Je peux te montrer. Je peux te montrer, hein. Je le sais que t'es là. C'est pas parce que j'ai pissé dans ta baignoire que tu te cacher. Je le sais que t'es là. C'est pas un problème, mais par contre, tu te montres. D'accord ? T'as fait de même avec Jerry, d'accord? T'as fait du bruit, tu lui as dit baise-moi en spirit box, t'as montré que t'étais là, et bien tu vas montrer que t'es là avec nous alors. Au revoir, hein? Parce que t'as dans le ventre. Donc n'hésite pas à faire du bruit, à parler très fort dans les micros de mes caméras, à bouger des objets, comme des portes, je ne sais quoi. Mais tu. Voilà. Donc je sais que niveau lumière, on n'est pas tip-top. On voit un rond, un genre de cible. Bon, ça permet d'y voir dans les pièces, donc on s'en fout aux limites. Donc, je vous le dis, pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont invisibles, on va rester très longtemps, je vous le dis. D'accord ? Ouais. Alors on n'est pas là pour dégrader, casser votre lieu. On est là pour communiquer avec vous. Ah, donc ouais. Tu te montres. Tu te montres, mon gars. Un peu d'eau. Tu te montres. Dans je rien rien à branler. Tu te montres. Non, je rigole. Non, mais sans rigoler. Vous savez, fassiez un truc. Dommage qu'on n'a pas Spirit Box. Et dommage qu'on n'a pas de Spirit Box et de même metteur. On aurait plus de résultats, c'est sûr. Bon, après, les débuts sont tout. On a déjà un K2. On a déjà un K2. Déjà pas mal. Je te décide de attaquer la cave. Ok. Oui. Merci. Allez, on attaque la cave. La nuit, j'aimerais pas y aller dans la cave, je te le dis. C'est rien, vous inquiétez pas. Et là, je sais pas si tu remarques, mais là, il y a des insectes, gros. Il y a des insectes. Donc, vous devez connaître Jerry. Il est venu ici, même, dans ce lieu. Il a trouvé des résultats. Attends, juste une chose. Vous montrez. Et vous, les pas. Et moi, je me rends bien si c'est comme ça. Non, mais il veut pas se montrer. Mais t'inquiète pas, t'en fais pas. Non, il veut pas se montrer. C'est bon. Ah. Ouais, mais je sais que. Je sais, de toute façon, je sais que c'est. Ça montre que ça. Ça montre qu'il est fort, qu'il est puissant. Il se montre pas, il fait rien. Donc là, je vous le dis direct. Là, c'est une tactique. Hein?
J'ai vu une ombre. Où? Alors, quand j'ai fait ça, alors. Je sais pas si c'était moi. Non, c'était pas moi. J'ai vu une ombre, genre. Tu sais, ça fait ça, là. Donc là, ce qu'on est en train de dire, patati patata, c'est pour inciter les esprits, c'est pour voir s'ils réagissent ou pas. Donc de toute façon, bon. Je sais pas trop. Ça veut être puissant, mais ça veut pas se montrer, quoi. Voilà. Ça a pas les, faut pas dire ce qui est. Ben voilà. Et ben voilà. C'était pas là, ça. On va rentrer par lui. Attends. T'as entendu des bruits, t'es d'accord? Je suis là. Moi aussi. Je pense que c'est le plancher parce qu'il est là, il est pété. Je pense que. Tu vas prendre la relève. On la relève. Ouais. Le cadeau, on se remet le cadeau, c'est bien. Bon, le cadeau, tu le gardes. Tiens. On la relève là. Juste que j'aime. C'est en cours là. Voilà, vas-y. Il fait ses besoins. Nous, on a entendu du bruit en haut, c'est un peu bizarre. Je mettrai de la musique au montage en fond pour pas que vous entendiez le bruit de l'urinage. Est-ce que ça capte? Non, ça captait pas ça. Voilà, j'espère que. Chut, chut, chut. Donc, voilà. Comme on peut le constater. Tu vois pas. Comme on peut le constater, j'étais avec William, on était là tranquille. On a très clairement. Entendu. Des bruits de pas. C'est peut-être la manifestation d'un esprit. On va le voir par nous-mêmes. Vas-y, fais voir. Par la caméra. Donc, c'est. T'as vraiment vu. T'as vraiment entendu. J'ai entendu. Ouais, non, non, sérieusement. Une fois, moi. William. Tu l'as entendu deux fois. William, sérieusement. Ouais. Mais toi, t'as entendu deux fois ça. Moi, j'ai dû entendre qu'une fois parce que c'est. Le problème, c'est que s'il y en a un qui se met en haut et s'il y en a un qui se met en bas, voilà quoi. Bon, ouais. Alors attends. Vous pouvez refaire des bruits de pas, s'il vous plaît ? J'imagine que c'est vraiment quelqu'un. On monte. C'est là. Non, c'est là. Et viens. Quelqu'un ? Vérifie les pièces. Vérifie les pièces là-bas. Vérifie là. Je vais voir. Ça fait quoi ? Personne. Oh ! Y a quelqu'un là-bas ou pas ?
qu'on vous le dise très clairement. On a entendu à une autre reprise, des bruits de pas, je vous le dis, honnêtement. J'espère que la caméra fixe l'a entendu. C'est toi ? Non ? C'est toi ? C'est toi qui as fait ce bruit ? Mais voilà ! Voilà ! Voilà que ça montre ! Ça montre que c'est un bonhomme, voilà ! Donc on ne stresse pas, on ne psychote pas, on est déjà venu ici. Hein. On connaît l'endroit, c'est bien. Et on a très clairement, d'en bas, entendu des bruits de pas. Très clairement. Donc, on ne sait pas d'où provient. On ne sait pas d'où provient ce bruit. Il n'y a personne. Enfin, je l'espère. Quelqu'un ? Je veux dire juste un petit message. Aux anciens propriétaires, s'il y en a ici. On n'est pas là pour vous voler votre lieu, pour dégrader ce lieu. Bon. On est juste là pour communiquer avec vous. Mais il y aurait un genre de démon, entre guillemets. Il y aurait ça, que il se serait manifesté envers un enquêteur du paranormal qui est venu ici à plusieurs reprises, dont nous on est venu hier. Et on est venu aujourd'hui, on a pratiquement un entendu. Donc, je l'espère. Alors, on a très clairement entendu des bruits de pas, je vous le dis, hein, j'espère, putain. Eh mais, William, j'espère que la caméra a enregistré des bruits de pas, mais ils étaient vraiment sourds. C'était des bruits de pas qui étaient sourds. Pire, c'est que c'est vrai, c'est ça le truc. Ouais, je me sens pas bien. On va faire une expérience, on va retourner en bas. D'accord ? Oh, le cadeau, prends le cadeau. Je veux pas que... Donc, on retourne dans la cave. Voilà. Merci d'être patient. N'hésitez pas à nous suivre ou à refaire des bruits de pas comme vous l'avez fait. Alors là, on va faire silence. Dans la salle. On va faire silence et on va voir si on entend du bruit. Pardon, désolé. Non, on se tape des barres avec William, c'est normal. C'est normal. Donc, désolé. William peut constater. Mm-hmm. T'as de la bave croquée. Non, c'est pas de la bave, peut-être c'est... T'as entendu le bruit, le boom en haut. Mm-hmm. Donc on a très clairement entendu un boom. Faites du bruit un peu plus fort, s'il vous plaît. Un boom serait le bienvenu. Arrête.
J'ai très clairement encore entendu un boom. Tu as un truc là-bas. Ouais, on entend. Donc, alors. Je constate pas qu'il y aurait quelque chose. Je constate qu'il y a quelque chose, c'est clair. Mais quoi ? Est-ce le démon, la manifestation de ce démon ? Est-ce la manifestation des esprits ? Je ne sais pas. En tout cas, on va faire un truc. On va faire un truc. Tu vas venir avec moi, tu vas prendre le portable, on va prendre des photos. D'accord ? Donc tu prends le téléphone. J'ai pas le portable, mais... T'as pas le portable ? Non, il est en. Il est en ? J'ai pas. Ça me dit rien, ça veut dire. Il y a un problème là. Hier, ça a été vraiment pas. Tu vois, le coup, je me dis, c'était un peu spécialité. C'est le cadeau que j'avais mis là. Ça, c'était pas contre le mur ? Je sais même pas. Si. C'était ça qui est tombé. Quelqu'un ? Non, ça c'était pas là ça. C'était contre le mur. Juste un truc. Ce matin c'est une. Enfin, quand on est arrivé, c'est une peu là ou c'est sur. Quand ? Ça. C'est... Quand on est hier ? Hier, je sais que ça ne bouge pas. C'est quand même, on est parti là quand on est arrivé. Mais attends. Non, ça c'est vraiment ça. Par contre. Alors, c'est vrai qu'il y a une porte. Que je vous dis. C'est possible qu'en haut, ça fasse des bruits, c'est parce qu'il y a des rats ou des trucs comme ça. Et là-bas, c'est possible que des trucs. Mais qui bouge les feuilles, parce qu'il y a plein de. Tu vois, des trucs qui tombent. Et après. Après voilà, comme on peut vous le dire, on ne peut pas effectivement dire que voilà, ça peut être des rats, ça peut être des oiseaux, ça peut être des gouttes d'eau encore qui ne sont pas asséchées, il y a plein d'hypothèses, on ne sait pas, je constate pas, je vous l'ai dit, on a juste entendu des bruits, voilà, on s'est juste demandé ce que c'était, je n'ai pas dit ce que voilà. Ça se trouve, c'est ça qu'on entendait avec l'eau, comme ça. C'est rien. C'est de l'eau, un truc comme ça. Le cadeau, il est où ? T'es sérieux ? Il est en bas. T'es sérieux ? On va voir en bas. Il y a un problème. On va voir en bas. Ah oui, c'est bien, c'est en bas. Je me rappelle parce que je l'ai vu, c'est en bas. Je sais pas. Alors, c'est le cadeau en bas. Le boîtier noir. Je sais pas, on va voir. Il est là. Il est même allumé d'ailleurs. Mais je l'ai vu là. C'est pas mon téléphone qui capte ? Non. Merci ! Merci beaucoup ! Merci ! Putain, mais la caméra l'a pas filmé. Oh. J'ai eu une seconde de latence dans la tête de Camilla. Attends, c'est genre, c'est pas. Attends, bouge pas. Oh, mais non, c'est pas mon tel. Wesh. Bon, sors ton tel. Tu l'as pas touché ? Non, y'a pas de souci électrique, y'a rien. Merci. Attends, sors-toi. Non.
Non. Ça a fait le même truc que quand il n'y avait rien qu'à toucher. Ça veut dire que quelqu'un... Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît. Touchez le K2. Je crois que c'est quelqu'un qui a dû poser une bière sur la table imaginaire. Mais... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des esprits, tout ça, une onde électrique. Il y a une grosse teuf en ce moment-là, mais personne ne sait pas. Ça a rigolé. C'est possible. Donc là... C'est pas ma caméra. Alors là, par contre, ça... Ça devient un petit peu inquiétant en fait. Voilà. Putain, de travers. Voilà. Ça devient même légèrement inquiétant. Comment tu te sens, William? Ça va encore. Ah, ça va? Je suis mieux là qu'en haut et que... Ouais, je suis mieux là qu'en haut. Il y a une technique. Parce qu'il y a du jour. Viens voir. Quand, par exemple, on voit ton visage à la caméra, ça fait un carré. Je vais demander à une entité de passer devant. Regarde bien. Tu peux filmer avec ton téléphone? La caméra? Non, tu filmes la caméra parce que sinon ils vont pas le voir qu'il y a un carré. C'est bon, regarde AF. Ça, c'est le truc des ronds. Non, ça devrait capter, regarde. Voilà. Ah non, ça le fait pas, c'est pas ça. Bonjour. Est-ce que vous pouvez passer devant là? Devant, à côté de la chaise, s'il vous plaît. Passez, s'il vous plaît. Ça vous détectera. N'ayez pas peur. Passez juste devant la chaise. En tout cas, il y a plus de trucs louches que hier. C'est clair. On va monter en haut, William. Je me suis. C'est vrai que... Je trouve ça quand même bizarre que... Okay. Le cadeau, il est fluctué comme ça. Non, t'étais trop loin. T'étais loin. Vas-y, pose-le là, pose-le là. Pose-le vers là. Le cadeau. T'es sérieux? Je l'ai pas touché. Ah, mais si, remarque, c'est bien. Imagine, on passe. Si, on va mieux, ça. Il n'y a pas sur mon rôle, il revient. Attends, non. Tu ouvres. En bas. Va chercher. Ouais, attends, j'y vais en premier. J'y vais en premier. C'est moi qui filme, c'est moi qui l'envoie. C'est les gars qui. C'est les gars qui flippent. C'est ça. Bon, le cadeau, il est où là? C'est là. Ah, c'est moi qui l'ai. Ah, mais là, tu me fais flipper, gros. Excuse-moi, c'est moi qui l'ai. On va rester en bas. On va rester en bas. Tu vas prendre un peu la relève. William, tu vas prendre la relève. Quoi? Tiens, tu vas prendre la relève. Donc, de faire avec de l'eau dans la bouche et cracher comme un débile pour attirer les esprits, c'est complètement débile. Merci. Bon, ne l'écoutez surtout pas, ça fonctionne très très bien. Donc voilà. Ah, faut que je te filme. Oui. Ça te capte pas, je crois que t'es un esprit, Franck. Donc voilà, ça c'est un cadeau.
Ça pourrait détecter les champs électromagnétiques comme des compteurs, comme des lampes, comme des portables, comme des tablettes, comme des ordinateurs, enfin, tout ce qui est électricité. Et les esprits pourraient faire varier ce champ, lève un peu là, vers varier ce champ, et qui pourrait faire détecter cet appareil. Donc ça, on va le voir ensemble. On tâche comment? Attendez, les gens. Oh, fais un zoom là-dessus. Fais un zoom. Ah, sur le K2 là. Attends, tu sais. Fais un zoom. Tu bouges pas. Mais bah, fais gaffe. C'est bon? Vise le K2. Faut que tu le vises. Voilà, tu le vises. Tu le lâches pas du. Tu le. C'est bon. S'il vous plaît, rapprochez-vous de moi. Il y a un boîtier noir que j'ai posé sur la chaise. Je vais vous demander de le toucher, s'il vous plaît. Ça ne vous fera pas de mal. C'est pour savoir que vous êtes bien là. C'est quoi ça? J'ai pris une photo, je crois. T'as entendu? Je crois que j'ai pris une photo, c'est ça les photos? Oui. C'est quoi ça? C'est une photo, ça c'est pour dézoomer. Mmh. J'espère que t'as entendu. Oui. On est là-haut. Allume les lampes. Les lampes. Et on y va, on va un peu. Allez. Je travaille, j'ai clairement entendu l'envie. Elle évite de faire du bruit, putain. Gros, je peux pas faire du bruit. C'est sérieux, viens. Je suis sérieux. Ce sera encore un rat, ce sera un insecte, ok. Sauf que c'est au grenier que ça fait du bruit. Et là, ça venait de là. Donc, là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a ça. Donc ça, par contre, je sais pas. Voilà. Donc là, je vais très clairement inciter les esprits. D'accord? Vous allez voir ma technique. Et ben voilà. Voilà comment ça se passe un peu. Et ben voilà. Que tu te montres un peu. On n'a pas peur, nous. C'est pas un boom qui va me faire flipper. Même si j'ai un peu sur toi pour lui. Ben voilà. Là, ça manque quelque chose. Là, il y a quelque chose. Voilà. On va très très prochainement retourner en bas parce que. Vas-y. Donc, pour résumer, on a
très clairement entendu. Entre guillemets. Alors, en premier, des bruits de pas. Exact. En deuxième, des boum, de plus en plus fort. On va voir, éteindre les lampes. On va voir. C'est comment qu'on fait. On va voir comment ça va se passer ensuite. T'as entendu là ? Donc, j'espère que la caméra va enregistrer le bruit. Parce que, donc là, rationnellement, c'est pas les esprits. C'est pas les insectes ni les rats. Donc, on va faire silence. Je crois que c'est un bon dé. Et je crois surtout que cet ou ces esprits. Arrête, William. Veut communiquer avec nous en faisant du bruit. Donc, ce qu'on va faire, on va leur demander de faire du bruit. On va les écouter. S'il vous plaît, rapprochez-vous de moi. Faites du bruit, s'il vous plaît. Un boum, des bruits de pas, du glissement de sol, des portes qui grincent. N'hésitez pas, s'il vous plaît, rapprochez-vous de moi. Laissez un message au micro de mes caméras, si vous voulez, à vos proches. Merci. Plus d'urbex que de paranormal. Donc nous sommes à la recherche de lieux hantés ou de lieux abandonnés et nous montons voilà cette chaîne. Donc comme vous pouvez le constater, petit bilan, on va faire un petit bilan de qu'est-ce que t'en penses, quel est tes ressentis et qu'est-ce que t'as. Je pense que. Comment dire ? Disons que c'est moi, c'est pas pareil qu'hier. C'est pas pareil qu'hier ? Ouais, pas du tout. T'as pas eu un petit. Non ? Comment ça ? Moi, je me suis senti, je suis très oppressé. 1h20 de batterie. On peut durer jusqu'à 1h20. Donc, moi, je suis très oppressé. Je me suis senti. Puis, voilà quoi. Manifestez-vous, s'il vous plaît.
Manifestez-vous, s'il vous plaît. Faites un bruit. Ton portable. On va faire des photos. Tu l'as là ? Quoi ? Que ce soit celui-là ou celui de ton père. Je voudrais prendre des photos moi-même si ça ne dérange pas. Que tu vas sur photo. 6 heures. Je connais une technique. On va voir ce que ça donne. Merci, merci. Tu me suis, surtout t'hésites pas à me suivre. Recule. Je vais prendre une photo. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je prends une photo dans la cuisine. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Merci. Salle de bain, s'il vous plaît. Manifestez-vous. Tu vas venir m'éclairer, là, ça va être bien. Je vais prendre une photo, s'il vous plaît. Alors attends, non, parce que le flash, ça va tout fausser. Manifestez-vous, s'il vous plaît, merci. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Merci. N'hésitez pas à vous manifester envers mes photos, s'il vous plaît. Tu peux sortir. Merci. Ok. On va prendre des photos de la cave. On va prendre des photos de la cave. Donc voilà. Donc, ce que j'essaie de faire, je vous les mettrai en vidéo. J'essaie de solliciter les esprits en prenant des photos, en les capturant en fait. La bougie. Oui. Donc là par contre, je ne vais pas te demander de prendre la lampe, tu vas rester vers là-bas. Manifestez-vous s'il vous plaît, merci. C'est normal qu'à chaque fois que je m'arrête comme ça. À chaque fois, je m'arrête, il y a un carré qui se loue. Je sais pas si c'est normal. Regarde, je vais dire. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Merci. Ça faisait normalement à chaque fois, tu vois. Ah, tu vas éclairer un peu. Très légèrement. Tu vas éclairer légèrement. Voilà, juste comme ça. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Merci. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Merci. Attends, regarde Laurent. Il s'affiche là. Il y a un rond qui s'affiche. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Merci. Ok. On a fait une bonne séance photo. Ça, c'est l'orage, d'accord ? L'orage qui approche. Ça va faire peur avec l'orage.
On va faire un truc. Je vais te prendre le relais, je vais te libérer, Olivier. Je vais prendre la gamme. C'est bon, c'est en haut. Ouais, ça, c'est en haut, ça, c'est sûr. Mais c'est le truc qui a bougé. Oh, mais si c'est le truc qui a bougé, frère, non, mais là, moi déjà, je me tire. Je me vois là, j'ai l'autre. Et je reviens. Je dors pas. Allez, on monte en haut. Attends, on va pas faire du bruit. Attends, on va éclairer. C'est une blague. C'est un peu oublié. Tu te fous de ma gueule. Quoi ? Ça, c'était là-bas. Non, je crois pas. Oh. J'espère pas. Hein. Oh. C'est quoi ce bruit de ouf ? Oh putain, c'était quoi ce bruit ? On fait silence total, hein. On a un petit moment. J'ai envie de tester un truc, tu es avec moi. Tu es avec moi. Voilà la pièce là. Bon, je vais te demander un truc. Tu vas faire le tour de toutes les pièces. Moi, je vais rester là avec le cadeau. T'as promis. Je t'ai rendu, je te suis. Papa, on va pas en bas, t'inquiète pas. On ira après, par contre. Okay. Non, mais tu. Oui, tu vas dans les pièces. Bon, c'est pas mal. Pas mal de bruit, pas mal de. Je trouve ça pas mal. Enfin... C'est quoi cette trace de pas là ? Tu ne serais pas en haut. On va aller en bas. C'est calme.
On va pas les cerveaux. Donc si on parle pas, si on vous parle pas trop, c'est normal. Là on essaie de nous comprendre. Tu sens pas la chaleur? Si. Mais finalement, il y a une putain de chaleur ici. Il dirait que quelque chose m'a traversé le corps. Quoi? On dirait que quelque chose m'a traversé le corps. Non, pas ça. Un truc de chaud, c'est sûr. Non, là il se passe des trucs louches. Je vous le dis honnêtement, je ne me plaide pas. Par contre, je te jure, rate. Quand je suis à peine allé dans l'escalier, j'ai senti. Tiens, gros. Tiens. Voilà, donc si des fois vous voyez William ou moi prendre la relève, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est le matériel à tous les deux. On a tous les deux le droit de le tester. Voilà. Il n'a pas payé. Il n'a pas payé pour l'avoir. Mais... Disons que j'ai mis quand même 300 euros dedans. Bon. Ouais. Ok. Toi, t'es gros. Instruction d'utilisation et d'entretien des brûleurs. Hein? Je crois que ça date de longtemps, ça? On va dire ça. Comment tu te sens? Je sais pas, il y a des endroits où j'ai l'impression d'avoir des trucs de chaleur, mais violent. Parle un peu plus fort, Il y a des endroits où j'ai l'impression d'avoir la chaleur en moi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Qui passe un peu. Mais enfin, moi je sais que je suis oppressé. Je suis pas oppressé, c'est pour dire. Ah, ça c'est normal quoi. Ça reste une recette de vidéo. Moi je dis juste un truc. C'est marrant. Hein. Je te le dis. Donc, sérieusement, qu'est-ce que tu en conclus de... Parce que là, on va pas tarder à partir. Allez, c'est tranquille. Qu'est-ce qu'on conclut de Sandra? J'en conclus que... passer une nuit là-dedans, ça serait dur, en final. Ça serait encore. Plus dur que ce que je pense. Okay. Sachant que... Moi, je vous dis honnêtement... Hein, yeah, oui. Bon, j'ai entendu quand même des bruits bizarres, hein. J'ai entendu à un moment donné comme un déplacement de meubles, même s'il n'y a rien à déplacer. C'est dingue. Voilà, c'est compliqué. Ceux qui font une fête. Bon, je dis, on va remonter en haut. Rigole, ils mettent des bières là, peut-être des fois. Non, mais on rigole un peu. Tu allumes les lampes, ouais. Donc, bien sûr. On me voit bien là? Attends, on a tout pris. Et on me voit bien là ou pas? Si tu me filmes. Ouais. Donc, si on a un peu d'humour, c'est normal, hein. C'est pour rigoler, hein, parce qu'on veut aussi un peu se détendre après ce qui se passe. On va être un peu plus sûr. Oh, tu sens pas le coup de malade, frère. Oui, merci. Est-ce qu'il va faire chaud là? Tu as une chaleur? Oh, ici, il fait chaud, frère. J'ai un coup de chaud, un coup de verre en l'air. J'aurais peut-être une table de Ouija qu'on pourra utiliser avec vous. Exactement. Et on pourra peut-être même l'utiliser 200 fois. On va faire
affirme le silence. Exactement. Pour tous les habitants de ce monde. C'est vrai. Et c'est rouge. Tout mis sur des craquements, c'est normal, ça. Je peux comprendre. Il y a certains bruits qui sont... J'ai capté quelque chose. Sûrement du monde. J'ai compris un truc. Quoi? L'eau que t'as crachée par terre. T'as été un génie. Les gouttes d'eau qu'on entend, on croit entendre des gouttes d'eau, on est d'accord? Tout est sec. Il y a eu la sécheresse. Ouais. Ça a marché. Tu rigoles pas. Il va pleurer pour. Donc je pense que... Hypothèse, mais ça peut... Hypothèse, on n'est pas sûr. On dit des trucs, mais ça se trouve, on se défie. Je vous le dis. On va attendre un peu. Donc là, on va faire un maximum de silence pour voir s'il y a du bruit qui se manifeste. N'hésitez pas à crier, à gueuler très très fort, à faire « Wouah !» Non, mais je... De gros boum ou quoi que ce soit. Les amis, c'est la fin de cette exploration paranormale. Super. Non, t'en as pas. À plus tard. Merci. Tiens, là. Tiens, il y a quelqu'un là-bas. Ouais. Regardez, ça fait peur. Donc, voilà, les amis. Bon, ça ferme pas. William. Ça ferme pas. Bon là ça vient plus. Il revient. On s'en fout. Allez. Ça, attends, il y a des gens. Donc voilà. Donc les amis, filmez-moi bien s'il te plaît. Sinon je te filme bien. C'est la fin de cette exploration paranormale urbex. On a eu beaucoup de on a découvert beaucoup de choses. Voilà. Donc n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. Nous suivre sur nos réseaux sociaux. Là, je l'afficherai dans la description. Et on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les chulos.